Coucou, coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très, très, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être un petit haul action. Ouais, ça fait, là, je reviens un petit peu comme une fleur, mais ça fait 3, 4 mois. Je dirais, la dernière vidéo, je vous l'ai postée le 17 octobre, sachant que je l'avais tournée plusieurs semaines avant de vous la poster. Donc, ça fait grosso modo 4 mois que j'ai pas, je suis pas revenue, en fait, vous faire un petit coucou, du coup, en vidéo. J'ai eu une année, parce qu'on arrive vraiment à la fin de l'année, mais très très compliquée au niveau du travail, avec une charge multipliée par deux, par trois peut-être. Et du coup, plus trop aussi envie de filmer, évidemment. J'étais un petit peu, tout petit peu présente sur Instagram, mais pas trop. Où là, je postais des choses en lien avec ce qu'on vit actuellement et la crise qui n'est aujourd'hui vraiment sanitaire à mon sens, mais voilà, j'étais un petit peu présente, je suivais un petit peu quelques-unes. Voilà pourquoi je vous explique un petit peu le motif de mon absence, sachant que ça doit faire 10 ans maintenant que j'ai ma chaîne et j'ai été très très peu irrégulière dans mes vidéos, rarement pardon, été irrégulière en tout cas dans mes vidéos, et c'est la première année où effectivement je fais très très peu de vidéos. Bon, du coup, je viens quand j'ai des choses à vous présenter, quand j'en ai envie aussi. Ça, je crois que c'est vraiment la base. Et alors, certes, il y a eu le manque de temps, mais il y a aussi et surtout l'envie. L'envie qui n'était pas trop là. Je me suis un petit peu aussi écartée de tout ce qui était beauté, voilà, achat, pas compulsif, mais voilà, acheter, être dans la consommation, parfois dans la surconsommation aussi. Donc ça fait du bien vraiment de prendre du recul avec tout ça. Et je me suis ouverte à d'autres horizons, mais ça, ce sera l'occasion peut-être un jour de vous en reparler. C'est vraiment une initiation. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit haul action. Ça fait 2-3 fois que j'y vais et j'avais envie de rassembler tout ça dans une petite vidéo, vous présenter tout ce que j'ai acheté. Alors vous le savez maintenant, je ne suis pas plus, en tout cas dans les produits qu'on appelle green, clean. J'ai appris à consommer un petit peu autrement et puis plus trop faire finalement attention aux compositions. Enfin, quand je dis plus trop faire, pas comme je faisais en tout cas avant. Donc vous allez voir dans mon haul, il y a des produits de beauté, de cosmétiques que j'avais envie de partager avec vous, tout en sachant qu'évidemment Action c'est une boutique, un magasin. Une boutique, ce sont des magasins où vraiment les prix sont assez bas. Alors, on n'imagine pas à combien eux ils les achètent en gros. Mais voilà, je voulais aussi vous partager des petites choses parce que je trouve que c'est des choses assez intéressantes à mon sens. Alors, je vais commencer de suite vraiment par mon coup de cœur. Et là, je vais vous présenter une petite chose que je cherchais depuis pas mal de temps. Chez Action, vous allez retrouver du sel d'Epsom. Donc, ce sel d'Epsom, ça se présente en fait comme du sel. Moi, je le mets en tout cas dans le bain, deux petites poignées, et ça apporte un côté détox, un côté relaxant. Si vous avez des courbatures, pareil, ça va vous aider en fait à éliminer les toxines. Et alors, le sel d'Epsom, ça coûte super cher. Que vous l'achetiez alors moi, le dernier que j'avais, je l'avais acheté sur le site WAM. Il coûtait 7, quasiment 8 euros les 400 grammes. Ici, on est à 99 centimes les 500 grammes. Et c'est la version Eucalyptus. Donc, je vous le montre. Il est en ce moment dans les actions. Donc, si vraiment ça vous intéresse, foncez. Donc, ça, c'est la version, je vous l'ai dit, Eucalyptus. Et aujourd'hui, j'ai été, donc ce matin, j'ai trouvé la version lavande. Donc j'en ai pris 3. Donc ici, vous en avez 2 et un 3. Donc, dans la ville où j'habite, j'ai un Action. Et dans la ville où je travaille, j'ai également un Action. Donc celui-là, je l'avais acheté dans la ville où je travaille. Pour celles qui habitent dans le sud ou qui connaissent Martigues. Et puis, là, c'est dans la ville du coup où j'habite. Alors, j'en ai même acheté à des copines, des collègues de travail, parce on discutait en fait de produits naturels. Et puis voilà, vraiment, je vous conseille de les prendre. Sinon, Aromazone en fait,
mais ils sont un petit peu plus chers, à 2,90 € les 500 grammes aussi, pareil. Voilà, donc ça c'est vraiment un super bon plan qui... J'ai pas remarqué qu'ils en avaient tout au long de l'année. Bon, en tout cas, en même temps, je ne l'ai pas tout le temps chez Action, mais voilà, je ne pense pas qu'il y en ait, mais en ce moment, je pense que essayer d'aller voir directement. Ensuite, j'ai pris, côté vêtements, un legging. Alors, j'aime beaucoup les leggings d'Action, mais alors pas tous, hein. Il y en a certains que j'aime pas trop. Alors, celui-là, je ne sais plus quelle est la matière. C'est mon deuxième. J'en ai un qui est exactement pareil, style léopard. J'adore en fait pour faire mon sport. Mais avec une couleur plus claire. Et celui-là, c'est un léopard, vous voyez, les marrons foncés. Je vais vous présenter la matière. Donc, il est en taille S. Je ne vais pas vous donner les prix parce qu'honnêtement, celui-là, je pense qu'il doit être à 4 ou 5 euros, pas plus. Donc, c'est du polyester et 5% d'élastane. Mais pour faire le sport, c'est nickel. Et même pour rester à la maison, pour chiller à la maison, comme on dit. J'ai une petite préférence pour l'autre version. Enfin, si vous y allez, vous verrez. Mais j'aime beaucoup cette couleur, ce style. Bah, Non, legging, c'est attends, ce que je mets juste tout le temps. Oui. pour l'interdiction, t'aurais dû dire qu'il y avait des endroits où c'était blanc. Ah bah ouais, sors-le-moi. Est-ce que je l'ai? Comme ça, je le remonte. Alors, J'avais une tête orange. j'ai, voilà, l'autre version, je vous la montre, c'est celle-ci, il est blanc en fait. Attends, attends, celui-là, il est blanc. Et ça, c'est la version marron. Marron foncé. J'ai une petite préférence pour celui-là, mais il n'y en avait plus. Et du coup, voilà, ça me permettra de changer régulièrement. J'aime bien le léopard, je le mets pas tout le temps, hein, et je le mettrai pas forcément non plus pour sortir, mais pour rester à la maison, je trouve ça assez efficace. On revient à la beauté. Alors là, c'est vraiment pas des trucs indispensables, mais des trucs que j'avais vraiment envie de tester. Ce sont les sheet masques, pardon, et il y en a pas mal chez Action. Du moins, il y avait un gros réassort là aujourd'hui. Donc, je commence par le bubble sheet mask au charbon végétal. Donc, je vous le montre. Là, c'est pareil, c'est moins d'un euro, entre, je crois que c'est 69 ou 89 centimes, quelque chose comme ça. Vous avez la version sheet mask version coréenne. Ça, c'est à base de myrtille. Et vous avez le gold mask, l'hydrogel. Celui-là, je l'ai vu passer sur YouTube, qui avait l'air bon, assez sympa. Bon, à voir, hein. Je suis pas une grande, grande fan de ce genre de masque. Qui je trouve c'est pas forcément ce qu'il y a de plus écolo, mais pour tester pourquoi pas. Mais j'avais quand même envie de vous le présenter. Non, c'est pas au myrtille, je vous ai dit, c'est au caviar, pardon. Ensuite, un gel douche de la marque Simple. Alors là, j'ai été assez étonnée. Alors, je sais pas si c'est la marque Simple ou alors c'est cette marque Kin to Skin, j'en sais rien du tout. En tout cas, c'est un gel douche. Il me semble que c'est une nouveauté. Avec le label EcoCert, si éventuellement vous êtes très regardante sur la compo, je vous le dis quand même au cas où. C'est un gel douche qui ne contient ni de parfum ni d'huile essentielle, qui est bon pour les peaux sensibles, pour tout type de peau. Et donc, il n'a pas de parfum, il n'a pas de colorant et il n'a pas de dérivés d'origine animale. Voilà, je trouve que la compo, elle est assez clean. Pour un produit du coup qu'on trouve chez Action, c'est sympa. Enfin, ça permet que tout le monde y trouve son compte. Et ça, c'est pareil. Je crois que c'est moins de 2 euros, 1,80 € quelque chose comme ça. Donc c'est un gel douche et ça ne sent absolument rien. Alors ensuite, j'ai pris pour le corps. Ça, c'est un produit qu'on trouve aussi assez régulièrement. C'est de l'aloe vera pour le corps, le visage et les mains. Je n'ai pas encore ouvert, je n'ai pas encore testé. Je vous en dirai des nouvelles. C'est vraiment à base d'aloe vera, hein. Donc ça à mettre par-dessus une huile, ça peut être sympa sur le corps aussi. Et je vous dirai. Et alors j'en ai profité aussi pour prendre. Moi j'ai utilisé la base d'escargot il y a des années en arrière quand je suis passée avant de passer en fait à la Green Beauty. Mais je vous dis ça fait beaucoup plus de 10 ans, peut-être 15 ans même. Et alors du coup, j'ai trouvé ça, il n'y en a pas tout le temps,
J'y suis allée en fait, il n'y en a pas tout le temps, c'est la crème de jour à base de gelée de bave d'escargot, quelque chose comme ça. Voilà, ouverture. Donc 3 mois à partir du jour où vous l'ouvrez. Pareil, je vous en dirai des nouvelles, mais je pense que ça va être un produit. Alors, la bave d'escargot, c'est très cicatrisant, c'est réparateur, c'est régénérant. Et là, vous voyez, vous l'avez à 2 francs 6 sous, donc vraiment, ça vaut le coup. Ensuite, alors ça, c'est une huile qui a fait une. Comment dire ça fait 15 jours que j'essaie de la trouver et je ne la trouve plus. Alors, est-ce qu'il l'a. Est-ce qu'il l'a. Qu'il l'ont, et je pense pas qu'il l'a arrêté parce que j'avais demandé à une vendeuse. Elle m'a dit qu'ils allaient avoir un réassort, mais bon, elle n'a pas su me dire quand. En tout cas, celle-ci, c'est une collègue de travail qui me l'a donnée parce qu'elle n'aimait pas en fait la texture. C'est de l'huile vitamine E, donc huile corps à la vitamine E. Alors attention, je vous le précise, c'est premier ingrédient, vous avez de la paraffine, donc c'est de la pétrochimie. Bon, ça fait peur hein, quand on le dit comme ça, mais en fait, ça va rester en surface de la peau. Et tout ce qui va être, même la vaseline, tout ce qui va être ce genre de produit, va permettre en fait d'hydrater, de faire un film protecteur et du coup d'apporter de la souplesse à la peau. Donc oui, moi je mets ça. Je ne l'ai pas encore utilisé à vrai dire. Mais voilà, ça, c'est une copine qui me l'a recommandé et je vous assure qu'elle a une peau ultra douce. Elle a presque 50 ans, donc ultra douce. Et au regard, ça se voit parce que sa peau luit. Et elle me dit, voilà, c'est simple, depuis des mois et des mois, je ne mets que ça. Donc elle met ça avec autre chose que je vais vous présenter. Ben, je vais vous présenter de suite. Donc voilà, elle met également les brumes parfumées. Ça, c'est pareil, chez Action. Pas très cher, je crois 2-3 euros. Quelque chose comme ça. J'en ai pris deux. Vous avez la Petal In Bloom. Et alors, ça. Lorsque je le mets seul, je l'ai utilisé qu'une fois. Ça sent très très bon. Par contre, ça aura une tendance. Je dis une tendance parce que à assécher la peau, ça ne me le fait pas vraiment. Mais je suis sûre que si je ne mets que ça pendant une semaine, tous les jours, je vais avoir une peau de crocodile. Donc ça, plus une huile. Et là, vous avez le lendemain une peau de bébé. Par contre, il faut aimer que l'huile ne pénètre pas dans le corps, ou alors à ce moment-là, c'est toujours pareil. Quand vous sortez de la douche, faites en sorte de ne pas vous sécher et vous mettez l'huile par-dessus. Comme ça permet une absorption un petit peu meilleure de l'huile. Ou si vous avez de l'huile non raffinée, c'est pareil hein, de toute façon. Voilà donc pour ça. Ça sent extrêmement bon. Vraiment, je vous les conseille. C'est hyper agréable. Ça tient très très bien. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ça tient. Ça dure pas 10 minutes et ça part, ça tient vraiment toute la soirée. Hein. Ma préférée va pour l'Aloha Beach. Elle a vraiment une senteur de plage, Je te rappelle de qu'elle est cocotier. Elle a vraiment une senteur de cocotier, ouais, de plage, d'été. C'est super agréable. Celle-ci sent un petit peu plus fort que celle-ci. Celle-ci, elle est un petit peu plus douce en senteur. J'ai une préférence pour celle-ci, mais il y a évidemment d'autres parfums. Je n'ai pas tout pris non plus, donc ça suffit largement. Ensuite, niveau maquillage, j'ai voulu tester ça, mais honnêtement, ce n'est pas le truc hyper indispensable. C'est de la marque Biface. C'est un fixateur de maquillage. Donc voilà, une fois que vous êtes maquillée, vous passez ça sur le visage. Bon, voilà, je vous dis que ce n'est pas indispensable parce que. Moi, j'utilise des fonds de teint mat, avec ou sans ça, je vois pas une grande différence. Je l'ai utilisé tout à l'heure. Donc, ils disent donc de fermer les yeux et de plier la bouche à l'intérieur. Vous le tenez à une distance de 20 cm et on vaporise. Voilà, bon, c'est un côté assez frais. Bon, je vous le dis, hein, ça existe. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire parce que je sais que ça, c'est un produit qu'on voit régulièrement chez Action, qui est quasiment tout le temps. Ensuite, enfin, je sais pas si c'est une nouveauté, mais c'est quelque chose que je vois pas régulièrement de la marque Champ de Provence. Alors ça, c'est plutôt sympa. C'est un nettoyant gel, donc format gel. Celui-là, il coûte même pas 2 euros, je crois. Il est pour tout type de peau, il est vegan, le packaging est recyclable, vous avez 200 millilitres et la compo, honnêtement, je la trouve quand même pas trop mal parce que vous avez des agents émulsifiants qui sont assez doux comme le coco glucoside.
de la glycérine. Et ça, c'est une compo, honnêtement, qu'on retrouve facilement dans les produits type Bioderma. C'est quasiment pareil. Ou comment ça s'appelle? Neutrogena. Voilà, j'étais en train de chercher Neutrogena à. Je ne vais pas vous dire qu'il a la même composition. Mais on est dans le même esprit. Neutrogena coûte 4-5 euros. Celui-là, il a moins de 2 euros. Donc, bon. Alors, tu vois, comme je vous l'ai dit, je ne l'ai pas vu en permanence. Donc, je l'ai pris. Alors, c'est quoi la marque? C'est Botanique Care Champs de Provence. Donc, je vous le remontre. Ça, je pense que ça va être un produit assez intéressant. Donc, à voir, à tester si il assèche pas trop la peau aussi. Mais j'ai bon espoir sur ce produit. J'ai pris de l'eau de rose, pareil, hein, ça c'est un peu pour casser le calcaire, donc mist, vous l'avez ici en version spray, sinon vous avez la même chose qui est peut-être un petit peu moins chère, mais sans version spray. Ça c'est pareil, hein, c'est des produits qu'on trouve aussi quasiment à l'année sur Action, du moins je les trouve, je les vois régulièrement. Bon, j'arrive au bout de la vidéo. Je vais vous présenter là un produit. Ça c'est pareil, c'est pas un truc que j'ai envie d'acheter tout le temps, mais. Je sais pas, je me suis un petit peu lâchée là aujourd'hui. C'est un scrub pour le corps. C'est sympa hein, le format. Très pratique sous la douche et au café. Voilà, au café, c'est largement suffisant pour un petit peu gommer le corps et puis enlever les cellules mortes. Donc j'aime bien ce packaging en tout cas. J'ai pris ça, c'est un. Alors non, c'est pas un baume à lèvres, c'est un scrub pour les lèvres. De temps en temps, c'est bien de faire une petite exfoliation des lèvres. Donc moi, je le fais assez régulièrement. C'est un produit qui est vegan et c'est de la marque Dazzling. Bah non, je sais pas. Dazzling Coconut. Voilà, bah, je vous montre, c'était le dernier en fait qui restait. On va encore poursuivre avec un gommage pour le corps. Ça, c'est pareil, je le vois pas tout le temps. C'est un gommage, un body scrub au sucre, donc tout est marqué en anglais. Je vous dirai ce qu'il en est au pumpkin. Pareil, là on a une belle contenance. En plus, j'avais plus de gommage. Il me reste du savon noir, mais des gommages comme ça, du coup, j'en ai pas. Donc je l'ai pris. Je vous dirai tout au fur et à mesure hein, des produits, ce que j'en ai pensé. Et alors, on va terminer par des produits pour les cheveux. Alors là, ça c'est pareil, c'est ma copine, pas collègue, ma copine qui me l'a recommandé, le Hair Sérum à l'huile d'argan. Ça c'est une tuerie. Vraiment, allez-y, foncez. J'ai pas le carton. Ça fait 2-3 jours que je l'utilise sur les pointes. Ça fait des pointes vraiment ultra douces. En plus, vous savez que j'ai souffert d'une grosse chute pardon, de cheveux depuis. Avril, mai, jusqu'à. Il n'y a que maintenant que ça s'est calmé, c'est-à-dire il y a 15 jours à peu près. Je vous raconterai mon histoire dans une autre vidéo. Ça fait les cheveux ultra doux, les pointes, voilà, je le mets au niveau des pointes, sur cheveux secs. Pour l'instant, je ne l'ai mis que sur cheveux secs. Et vraiment, là, j'ai quasiment plus les cheveux secs comme c'était le cas il y a un petit moment. Donc, vraiment, ça va beaucoup mieux. Allez-y, il coûte vraiment pas cher. Et ça, je ne l'ai pas encore utilisé. Je vais vous le montrer de plus près. Aircare, de la marque Aircare. C'est un spray à la provitamine B5. Celui-là, pareil, il m'a été recommandé par ma copine, qui l'utilise aussi pour sa fille qui a le même âge que la mienne. Et elle a les cheveux vachement beaucoup plus longs que la mienne. Donc, en fait, c'est pour démêler. Hein. Voilà, tout simplement pour démêler. Voilà, donc c'est terminé pour mon haul. Rapidement, pour faire une synthèse un petit peu de tout ça et vous montrer en fait les produits coup de cœur que j'adore. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer ça aussi. Huile de ricin, ça c'est pareil, je vais l'utiliser en fait avec de l'huile d'olive et du romarin pour me faire des petites frictions au niveau du cuir chevelu pour activer la pousse du cheveu. Ça c'est une recette que ma copine aussi fait et qu'elle a fait pendant 3 mois et elle a vraiment vu de vrais résultats. Donc moi j'ai pris la version, je ne me suis pas cassé la tête, je ne suis pas allée en boutique bio, j'ai pris celle-ci hein, tout simplement. Je vous montre à quoi elle ressemble. Non, ça ressemble à ça, de l'huile de ricin. Voilà tout bonnement, mais moi l'huile de ricin je l'utilise aussi quand j'ai mal au ventre, en massage. Ça m'arrive rarement, mais quand ça m'arrive, je suis vraiment contente d'avoir de l'huile de ricin sous le coude, vraiment.
Et voilà, donc là c'est pareil. Vous avez également version huile d'amande douce aussi chez Action, donc ça vaut le coup. Autre chose, voilà, donc je voulais vous dire, pour synthétiser mes produits coup de cœur sur lesquels vous pouvez y aller, en tout cas, du moins à mon avis, les yeux fermés, ça va être ça. Les sels de bain, ça va être ça. C'est vraiment génial, apporte de la douceur et ça équivaut les L'Oréal, etc., que vous allez retrouver chez. Enfin, c'est la même chose en fait. C'est vraiment quasiment pareil. Les résultats sont les mêmes. La compo, on est plus ou moins à peu près pareil. Les brumes, alors faut vraiment la choisir parce que faut vraiment qu'elle vous plaise. Alors attention parce que c'est toujours pareil, vous avez de l'alcool dénaturé, donc pas tous les jours. Pas tous les jours, mais de temps en temps pour se faire plaisir, ok. Qu'est-ce que j'ai utilisé qui me plaît? Bah, c'est tout. C'est tout. Et puis le legging. Enfin, les leggings. Celui-là, donc, qui est tout, que je vais laver, que j'ai acheté aujourd'hui. Bah, celui-là, je fais mon sport dedans. Je reste à la maison également avec. J'adore en fait la couleur. J'aime beaucoup le style léopard. En fait, il est bien fait. Voilà. Il est juste bien fait. Donc voilà pour mon haul action. Si vous avez du point de vue cosmétique des choses que vous avez déjà testées, que vous rachetez régulièrement, n'hésitez pas à me mettre tout en barre d'infos. Donc ce sera bien pour moi, mais également pour les personnes qui vont lire les commentaires sous la vidéo. Donc du coup pour tout le monde. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si j'ai le courage, je vous fais une vidéo haul eye herb que j'ai reçue maintenant il y a, je sais pas moi, plusieurs semaines. Et si j'ai le courage, c'est garanti, enfin c'est pas garanti. Et je vous dois également aussi une vidéo, enfin je dois vous faire une vidéo sur mes produits terminés. Je vous raconte pas, mon sac il est plein à craquer. Faut vraiment que je vous la fasse et je pense à la faire en deux voire trois fois pour pas aller trop vite. Et puis également mon petit topo sur, bah, sur les cheveux, hein, ma chute de cheveux, où ça en est, etc. Je vous ferai tout ça à l'occasion. J'essaierai peut-être de vous en tourner une autre demain, je ne sais pas. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver après ces 4 mois d'absence. Je vous embrasse. Si on ne se revoit pas d'ici là, on ne sait jamais. Passez de très belles fêtes de Noël et des fêtes tout court. Joie, amour et bonheur. Restez centrés sur vous, sur votre famille et non plus sur l'extérieur. Et puis, quand on vous dit de regarder à gauche, essayez de voir ce qui se passe à droite. Je pense que certaines comprendront ce que j'ai envie de dire par là. Et puis, bah, je vous dis à très très bientôt. Bye.